à tous, c'est Svenki pour Ergonomie. Aujourd'hui, je vous propose de tester Space Cows. C'est un shoot'em up qui a été développé par Happy Corruption et édité par All-In Games. Alors, le jeu est un tout petit peu particulier, puisque vous jouez dans un univers en apesanteur. Comme vous pouvez l'entendre, quand vous vous baladez dans les menus, à chaque fois que vous passez sur une option, voilà, vous avez des petits bruits de paix assez sympathiques à l'oreille. Et l'histoire du jeu est tout simplement bizarre et en même temps géniale. Je vous laisse la découvrir. Hop, on va jouer en mode facile, hein, parce que le jeu est assez difficile déjà. Voilà. Si vous avez tout lu, c'est vraiment particulier. Donc là, on joue en apesanteur, donc bon, les déplacements, c'est du ZQSD classique. Donc vous jouez Best, qui est donc le fermier, hein, qui est quasiment tout nu. Et vous avez juste une ventouse hein, que je viens de lancer, qui va vous permettre d'attirer des objets, de détruire des objets. Vous pouvez arrêter le temps, enfin ralentir le temps, du coup, ce qui peut être assez pratique. Et voilà, bon, on va essayer de passer le premier niveau. Alors j'ai déjà joué à peu près un petit quart d'heure, c'est vraiment difficile. Hein. Alors, je suis pas super fort dans ce type de jeu, mais en tout cas, c'est extrêmement fun. Bon, allez, on y va. Alors vous avez un dash avec espace, donc vous sélectionnez le sens dans lequel vous voulez aller, vous appuyez sur espace, hop, ça dash. A chaque fois que vous récupérez une bouteille de lait, vous remplissez en haut à gauche. Alors, je vais ramasser un petit peu de lait, voilà. Quand vous remplissez la bouteille, vous avez une vie supplémentaire. Quand vous chopez une bouteille, bah, vous avez une vie directe supplémentaire. Hop. Vous avez des petits éléments de décor à détruire, comme ça. Et des ennemis qui vous arrive dessus là, les petits trucs verts. Alors, je vais détruire ça. Hop. Là, il devrait y avoir des petits trucs verts que vous voyez à droite. Cool. Des points de sauvegarde. Voilà. Alors, graphiquement, je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment bien fait. Hop. Vous avez des espèces de stages bonus assez marrants. Oh yeah. Oh, le jeu est vraiment bien fait. Hop. Dans ce stage bonus, en fait... Oups. Voilà. On doit essayer... Hop. J'ai pas vraiment compris ce qu'on est en train de faire en fait dans ce stage bonus. Je sais pas trop où on remplit des espèces de coupes. Je vous l'ai dit, c'est bizarre. Alors, il faut faire très attention parce que tant que la ventouse n'est pas revenue vers vous. Donc, elle s'en va. Tant qu'elle n'est pas revenue vers vous, vous ne pouvez pas la réutiliser. Ce qui peut être très gênant dans certaines situations. Ok.
Bon, je m'en sors pas trop mal. Cool, j'ai une vie supplémentaire. Ah ouais, voilà. Oula, je l'avais pas vu. Les déplacements du personnage sont vraiment bizarres. C'est super marrant en fait à jouer. Voilà, il y en a pas mal. Bon, pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Alors, hop. J'étais un tout petit peu trop pressé. Voilà. Voilà. Hop. Je vous cache pas que mes premiers runs ne se sont pas exactement passés comme ça. Là, je pense que c'est mon meilleur run jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, ici, en fait, mon personnage est attiré. Donc il y a des espèces de flux là qui me font bouger tout seul. Donc il faut que je gère en plus. Oh là, j'ai eu chaud. Il faut en plus de gérer l'espèce de gravité, il faut gérer le fait que la map essaie de me trimballer. Hop. Bon, je vais essayer de faire un meilleur score cette fois-ci. Fantastic. Pas mal. Milk it good. Alors, en appuyant sur la lettre Q, on peut faire un truc, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, j'y découvre quand même pas mal le jeu. Hein. Je suis même pas sûr d'être arrivé jusqu'ici. Si, j'y suis arrivé. Bah, c'est là où j'ai... Je me suis arrêté ici, ça commence à devenir vraiment compliqué. Ouais. Hop là. Ouch. Ah. Merde. Voilà, ça met à rude épreuve les réflexes de vieux. Des crans de game over est tout simplement génial. On n'est pas vraiment désolé. C'est vraiment n'importe quoi. Bon. Il faut que j'arrive à finir le premier niveau quand même sur cette vidéo. Donc même en sachant exactement quand et comment ça va se passer, j'arrive quand même à me faire avoir. Voilà. Ouch. Oh,
C'était un peu chaud, mais c'est passé. Donc là, je peux le cacher derrière ça. Alors, je sais pas si c'est des espèces de cubes de fromage. Ah merde, raté. Parfait. J'ai un peu envie d'utiliser l'espèce de pouvoir là. Même si j'ai aucune idée de ce que c'est. Oula. Ok, je suis jamais arrivé jusqu'ici. Donc là, c'est la totale découverte. Oh putain. Ah d'accord, ça me rend invincible. Oh génial. Ah oui, c'est génial. Je serais curieux quand même de savoir ce qu'il propulse, hein. Aller en arrière. Ok. En plus de me rendre invincible, ça me fait un espèce de boost de puissance qui est le bienvenu. Hop. Ah, un niveau bonus. Allez, c'est parti. On va essayer de faire encore un meilleur score que 110. Ça va être chaud. Ah là 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 là, j'ai pas été au taquet là. Allez, faire 150, je suis pas sûr que j'aurais pu y arriver. Bon. On fera mieux la prochaine fois. Alors. Cool. Un petit point de sauvegarde. Sont vraiment pas cool. Ah oh, mais ça c'est génial. On peut les attirer dans des pièges. Pfiou, j'ai réussi. Et voilà. Oh là là.
c'est affreux. Oh purée. Alors là, j'ai pas compris. Ok. Qu'est-ce que je veux? Ah oui. Ah oui, d'accord. I must plunge into the unknown. Oh là là, j'ai bouffé mon truc. Évidemment. Ok. Allez, je me concentre. Mutants, mutants everywhere. Je vais y arriver. Ouch. Allez, directement. Hop, hop. Voilà. Ok. Waouh, j'ai réussi. 64% d'efficacité, mon. C'est pas mal.
J'ai sauvé une vache sur trois. Ah oui, j'ai pas réussi tous les mini-jeux. I must plunge into the unknown. Bon, allez, on tente le deuxième. Alors, c'est quoi ça par terre? Qu'est-ce que ça fait? Ok, rien de particulier. On y va doucement. Ouah, je suis content d'avoir réussi le premier niveau. Alors, hier, je vous avoue, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que j'arriverais même à passer le premier niveau. Voilà. J'entends une vache. Bon, celle-ci, on essaie vraiment de la sauver. Hein. Oh yeah. Je réessaie jusqu'à temps que j'y arrive. Ça demande pas mal de concentration quand même. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est un autre nouveau jeu. Alors, qu'est-ce que tu veux faire là? Ok, d'accord, j'ai compris. Oh purée. C'est hardcore. Oh merde. Oh! Je sais même pas comment j'ai fait pour réussir, je n'ai rien compris au début. Ok, donc faut faire attention, en plus les mini-jeux changent en fonction de la map, très bien. À 75, c'était pas terrible. Cool. Alors il y a... Ok, plante. J'ai vu que c'était bizarre. Génial. Ça me fait penser aussi un peu à Sonic, hein, vous voyez. Merde, merde. Je fais attention. D'accord, on peut utiliser ça pour se... Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Alors... Mais non. Ok, je vais perdre ici. C'est affreux. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ok, encore une vache à sauver. Il faut essayer de faire un meilleur score. Pourquoi elle rentre pas? Oh yeah! Ok. Bon, j'ai la pression là. Allez, c'est parti. Ok, il faut que je clique pour que ça avance. Allez,
Je me sors pas trop mal pour le moment. Ok, pas mal. Merde. Il faut vraiment regarder en haut de l'écran et... Allez, allez. Ça s'arrête jamais ? I'm fantastic. 180, énorme. Milk it all. Ce jeu me met la pression. Allez. Oups. Oh, s'il y a trop de trucs en même temps là. Il y a trop de trucs pour mon petit cerveau. Ah, il faut que je refasse la vache. Oh non. Vite. Mince. Au lieu d'appuyer sur Shift, j'appuie sur Espace. Évidemment, je vais être beaucoup moins bon. Bon, on retiendra mon score de tout à l'heure. Hein. J'ai fait 180. Mince. C'était sûr. Ça met tellement la pression. Oh, c'était moins dur tout à l'heure, non? 90, mais non, mais c'est ridicule. Je dois recommencer. Ah, je suis trop déçu. J'ai fait un magnifique 180. Bien. Allez, plus ça dure longtemps, plus ça veut dire que je suis pas mauvais. J'ai même peur de cligner des yeux, et voilà, j'ai cligné des yeux, et ça se passe mal. C'est n'importe quoi ce jeu, on n'a même pas le droit de cligner des yeux. I'm fantastic. Bon, 146, c'est pas mal. Allez, faut essayer de m'en sortir mieux sur ce run là. Oula. Oh purée.
Ouh, j'ai réussi. Et je prends 2 secondes pour souffler un peu. Ce jeu est vraiment génial. Alors, c'est quoi le piège? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ok, il est tiré dessus. D'accord. Ok. Yo. Oh là là, non, sérieusement. Merde, j'ai compris un tout petit peu trop tard comment ça fonctionne. Plus ces trucs de lait là, il faut les ramasser vite fait parce que ça a un temps limité. Après ça disparaît. Voilà. Alors quand la map commence à tourner comme ça, pas bon signe. Ok. Ok, je vais essayer de délivrer la vache. Hein. Oh yeah. Il va falloir certainement faire 150, ça va être un peu chaud. Allez, on tente. Ah, si je finis cette deuxième map, après j'arrête, ce jeu est trop fatigant. Allez, c'est parti. Ça demande beaucoup trop de concentration. Wow, 61, c'est nul. Je recommence. Allez. Mon max, c'était 180. Faut bien que j'arrive à faire quelque chose. Hein. Je peux bien faire 160, là. Ah, purée. Oh non. Toujours pas. Allez, on essaie une dernière fois. Oh
I'm Cowtastic. Ouf. À un près. Super. Allez. Ok, la précision. Voilà. Merde. Là. Ah oui, on a vu tout à l'heure, ça allait tuer ça. Ok, j'ai rien compris. I am a plunger danger. Allez, on recommence. On va refaire le même piège. Hop. Je sais pas où je suis. Ok. Mais non. C'est n'importe quoi ce jeu. Aha, something's milky. Mais non. Oh, j'ai perdu une vie. Ah purée. J'ai perdu une vie pour aller en chercher une. C'est ridicule. Mais non, sérieusement. Oh là là. Je vais encore être en PLS avec ça. Mais non. Ah, j'y étais presque. I am a plunger danger. Bon, allez. Allez, allez, on se le fait là. Ouch.
Wow, il y a beaucoup trop de mecs. J'étais perdu. Trop d'informations à l'écran. Non. Je vais finir par y arriver. Il est là. Faudrait que je vois si le gros il est mort en un coup en traversant le rayon. Est-ce que ça sert à quelque chose que je lui tire dessus? Bon. Non, c'est pas vrai. Ça va être mon pire run, je le sens. C'est le début. Voilà, oh là là. Bon, cette fois-ci, c'était ridicule. I must plunge into the unknown. Bon. Hey, il meurt tout seul en fait. Voilà, je vais y arriver. Hop. Je vais finir par passer ce niveau. Ah, je peux utiliser l'invincibilité. J'ai réussi. Il ne reste plus qu'à ne pas me faire avoir par les rayons. Allez. Nope. Non. J'ai vraiment un handicap avec ces rayons là. J'arrive pas à les passer. Allez, on va y arriver. Non, non, il me reste plus qu'une vie. Je veux pas recommencer. Non. Ok. C'est... Allez, j'ai essayé une dernière fois. Milk it on. Je vais bien finir par y arriver. Hop. Ah, j'ai pas été trop mauvais sur ce run, mais vraiment, les lasers là, ça me... Faut pas que j'essaie de les esquiver en me cachant en fait. Hein. Faut que je les esquive vraiment. Me cacher, c'est pas la bonne solution. Ouch. J'arrête pas de me bloquer avec le décor. Oh non. Ok. Là, c'était juste de ma faute. Ça. Non, non, je veux pas rester sur un run aussi pour eux. Je recommence encore une dernière fois. Ouais, c'est la vraie dernière cette fois-ci. Aha, something's milky.
Allez, on peut le faire. C'est parti. Allez, venez là. Ok. Il y a toujours un qui veut pas venir. Allez, on souffle un peu. Et on y va. Okay. J'ai fumé le premier sans perdre un PV. C'est pas mal. Ah, j'ai l'invincibilité. On y va, on détruit. Oh, pas mal, pas mal. En plus, ça meurt pas en un coup, ce truc, c'est vrai que... Oh là là. Oh non, sérieusement, ridicule. Ouais, j'ai utilisé mon invincibilité. Oh là là, encore. Ça s'arrêtera jamais. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Bon, bah voilà, ce jeu est vraiment fun. Difficile. Voilà, bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous conseille, Space Cows. C'est vraiment un très très bon jeu. Belle surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.